à Madurai, le palais de Tirumalai Nayak fut construit au milieu du XVIIe siècle avec le concours d'un architecte italien dans un style indomoresque. À l'origine, le complexe était 4 fois plus grand que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Il ne reste plus que le palais principal où vivait le roi. Seule une grande cour à pavillons entourée de hautes galeries à colonnes et une salle de danse sont visibles. À l'origine, toutes les colonnes, aujourd'hui stuckées, étaient décorées. Dans un hall en forme de dôme se tient la salle du trône, dont les murs sont revêtus d'ivoire. Le siège royal, couvert de pierres précieuses, était utilisé par le roi pendant les festivités du Navaratri. Autre édifice encore debout, le Natakshala, sorte de salle de spectacle de 22 mètres sur 42 mètres, transformée en salle de musée.